chemin avec les lèvres de Jésus. Merci parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir et l'exécuter. Nous te rendons toute la gloire, Yahweh, notre Dieu, Adonai, Elohim. Merci pour ta présence. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, on dit amen. Allez vous asseoir, que vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes à un culte. Adoration. Un culte est différent d'un programme de délivrance. Nous sommes un culte. Notre Dieu est digne d'adoration. Le but même de l'homme sur la terre, c'est de reconnaître l'Éternel comme Dieu et de l'adorer. C'est pour ça que Dieu nous a créés. C'est tout. Ce n'est pas pour venir manger seulement. C'est pour le reconnaître comme Dieu. Amen. Et l'homme est la représentation de Dieu sur terre. Alors Satan a séduit l'homme. Est-ce que Dieu a vraiment dit si vous mangez de ce fruit? Oui, mais Satan dit si vous mangez le fruit, vous serez comme Dieu. Comprenez? L'envie d'être comme Dieu va tenter la femme. Pourtant, elle est déjà la représentation de Dieu sur la terre. Il fallait simplement dire à Satan, oui, nous sommes déjà Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu dit alors, Dieu dit à son conseil, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu, l'homme est déjà à la ressemblance de Dieu, il représente déjà Dieu. Il est comme Dieu sur la terre. Amen. Il juge son service. Tout le monde est dit à Satan, ce que tu es en train de dire là, tu ne fais que répéter les paroles de Dieu. Vous comprenez, le diable c'est un menteur. Le diable, son plan, c'est de nous faire douter des promesses de Dieu. C'est tout. Pourtant, la Bible déclare qu'il exerce sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Amen. Pour l'accomplir et l'exécuter. Dieu ne t'oubliera pas. Il ne te laissera pas dans cette situation dans laquelle tu es en train de traverser. Non. Parce qu'il est dans sa parole. Il suffit de moi de croire. Moi, je crois fermement à la guérison divine. Parce que j'étais moi-même malade et Jésus m'a guéri. Amen. Il faut croire que Jésus-Christ va te délivrer. Amen. Il faut croire sa souveraineté. Amen. Ça fait peut-être une question de temps, peut-être. Parce qu'une heure, un jour c'est 1000 ans devant lui, 1000 ans un jour. Donc Dieu, le temps n'existe pas chez lui. Et par moments, Dieu tarde sur la situation de certaines personnes parce qu'il veut construire en eux. C'est ce qu'on appelle la foi. Une assise spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui viennent justement pour quelque chose et répartis. Et la spiritualité, ça ne les intéresse pas. Pourtant, si Dieu te guérit, c'est pour le servir. Cette sœur est musulmane, elle vient de l'Allemagne. Et puis, même ce matin, elle m'emmerdait parce qu'on regardait, je l'ai amenée sur une chaîne chrétienne. Elle me posait des questions, mais puis j'ai fait de la sous-l'oreille. Mais elle me dit, mais m'enseigne-moi la Bible. Elle me dit, tu sais, chez vous ici, chez toi, j'ai vu deux fois Jésus. Elle me l'a dit, j'ai dit, il vit à un mois. Amen. Elle a ce pouvoir en grand, c'est ça qui chalante, c'est ça. Elle a ce don de la prévoyance, tout ça. Avec une situation donnée, elle se retrouvait encore une fois pour sa délivrance. C'est ce qu'il essaie de faire. Elle a ce pouvoir, elle vit de ça même en Allemagne. Tout ça. Mais elle voit une autre puissance, qu'elle découvre sur YouTube, elle découvre quelqu'un qui délivre. C'est ce qui l'a conduit ici. Et moi, je n'ai pas imposé le christianisme. Ça allait doucement, doucement. Dans mon caractère, dans mon comportement, dans ma vie de chaque jour, elle découvre qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas. Et c'est maintenant qu'elle prend la résolution pour dire, je vais marcher avec Jésus. Elle me rappelait même une sourate dans l'islam que Jésus, on appelle Nabissa El-Masia. Nabissa, qui doit revenir. J'ai dit, moi je le sais, c'est un verset coranique. Donc, ça l'a amené à se rapprocher de Jésus, à comprendre que l'approche Jésus, et que sans Jésus, elle n'est rien. Vous comprenez? Elle nous a aimé beaucoup après moi maintenant pour enseigner la parole de Dieu. Si c'était d'autres personnes endoctrinées, tant que tu n'es pas chrétien d'abord et tu ne restes pas chez moi, il faut non, moi j'ai laissé, c'est sa propre mission. Une question de christianisme, c'est une question de condition. C'est Dieu qui convainc. Amen. C'est pour dire que Dieu est puissant. Il est capable de changer le cœur d'un être humain, il est capable de changer le cœur même du sorcier, il est même capable de changer le cœur
Et peut-être ta mère ou ton parent sorcier. Si tu veux bien, Dieu fera le reste. Amen. Nous sommes un culte. Vous savez que notre spécialité, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. C'est un ministère qui n'est pas facile, pas du tout. Parce que chaque fois, chaque jour, nous sommes confrontés aux esprits des ténèbres qui veulent forcément nous nuire. Avec toutes sortes de stratégies, mais Dieu nous aide à aller de l'avant. Amen. C'est pas facile. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont comme des agents du diable, qui viennent chaque jour vous espionner, qui viennent chaque fois. Ouais, mais comme Dieu est Dieu, il ne nous laissera pas tomber. Amen. Voilà. Il y a des gens qui viennent, sont des espions qui sont là. Donc j'ai le seul, il arrive. Et j'ai fait avec. Amen. Parce que vous savez, quand tu as une vérité, quand Dieu t'appelait une mission, il ne te laissera jamais tomber. Quelles que soient les rêves du diable, le Seigneur te donnera le dessus sur toutes choses. Amen. Vous êtes bénis parce que vous êtes dans la présence de Dieu. On dit Amen. Tu as quelqu'un, tu es béni parce que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Tu as quelqu'un, tu es béni parce que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Même si le prophète n'a pas réussi, parce qu'il y a d'autres, non, mais la présence de Dieu me fait délivrer, la paix du bien. Amen. Le prophète n'a pas forcément besoin, mais Dieu, sans qu'il me dise, Dieu peut déjà te visiter. Dieu est puissant, il est souverain. Jamais. Amen. Quand quelqu'un est puissant, ça va chez toi. Cette vie, elle avait des problèmes d'esprit. Tu n'as pas remis ton témoignage? Non. Et pourquoi? Elle avait des problèmes avec les crédits, c'est ça? Dès que les crédits apparaissent, il y a des démons. C'est comme ça, la problème, j'ai dit. Oui, il y a des esprits comme ça. Ils ont choisi une journée, un jour, pour attaquer les gens. Et elle avait ce problème-là, les esprits, tout ça. J'ai demandé qu'elle reste. Elle a expérimenté une délivrance. Amen. Ils ne sont pas venus. Il ne peut pas venir. Parce que c'est ici là, c'est là que tu as mené. Ici, tu réglons tous les problèmes d'esprit. Parce que Dieu est puissant. Dieu nous a donné Jésus-Christ, nous a donné le pouvoir sur les esprits impurs. Amen. Nous avons le pouvoir sur les esprits impurs. Un chrétien qui ne peut plus chasser un démon, c'est que lui-même est le temps de Satan. Oui, parce que c'est le fruit qui accompagne la chrétienté du chrétien, c'est de chasser un démon. C'est pour ça que dès qu'une personne commence à se convertir, la chose qu'il commence à faire, c'est de lui former à attaquer un démon. Et celui qui va l'attaquer, c'est le démon. Il aura pour ennemi premier Satan. Amen. Amen. Vous êtes puissants, amen. Ce qui est en vous, que Jésus est très puissant. Amen. On dit amen. Amen. J'ai commencé l'enseignement la dernière fois. Je poursuis l'enseignement. C'est un enseignement. Hein. J'ai parlé des six étapes, c'est pas vers la grandeur. Amen. Alléluia. Il n'est pas moins important de connaître la parole de Dieu. C'est peut-être qu'on nous enseigne certaines choses. Amen. Parce que la Bible dit que parfois les connaissances sont peu périlles. La vie, ça va? Ça va? Ça va? Allez. Elle dit quoi? Non. Elle dit quoi? Transmette-moi ce qu'elle entend. Elle dit, elle est en faux là. C'est un démon. Oui, c'est les démons. Viens. C'est les démons. Il faut lui dire que je l'aime bien, comme ma mère. Transmets mon message. Voilà. Voilà, comme ma bonne maman. Mais il y a des choses en elle qui ont besoin de partir. On aime une personne, on aimerait l'aider. Voilà. Je t'aime comme ma propre maman. Voilà. Mais il faut qu'on te bénisse. Hein? Elle nous dit qu'elle a une parole, hein? La vie, elle a la première parole. Il faut dire, j'ai prié pour elle. Il faut dire, c'est moi qui soigne ceux qui ont cette maladie. Mon ami, moi, je soigne tout. Quelle que soit la dimension, je soigne ça. Mon ami, il y a plus.
Tu veux que je prie pour toi? Non, non, non. Laisse-moi prier pour toi. Non, on va régler ça. On va régler ça. Hein? On va régler ça. Non, non. Elle doit plus avoir peur. Ok? Faut dire Jésus la protège. Non, non, non. Il faut d'abord dire Jésus la protège pour la rassurer. Voilà. Voilà. Il faut, même si quelqu'un te menace, Dieu te protège. Même si on pense que tu es mauvaise, Dieu ne rejette pas les mauvaises personnes. Dieu est là au contraire pour les mauvaises personnes. Jésus dit qu'il est venu pour ceux qui sont pécheurs par les justes. En erreur à toi. L'Esprit de Dieu va permettre que ceux qui te rejettent vont commencer à t'accepter. Dieu lui-même s'en charge. Il enlève tout. Ok, la souci, la confie ça à Dieu. La Bible dit si Dieu est pour nous, tu seras contre nous. Je sens maintenant 162 demain. Elle avait 322. On avait commencé hier à partir. Oui, il faut aider tout le monde. Il faut aider les gens. Que je les condamne. Bon Dieu, pour moi, on fait un bon temps. Qu'elle tombe les démons, voilà, c'est comme ça. Je suis en train de la soigner. Amen. Je ne suis pas dans la matrice, s'il vous plaît. Hein? Non. Voilà, je suis en train de la soigner. Parce que les démons ne sont pas bons. Vous savez, même si une personne est sorcière, c'est qu'elle a hérité ça quelque part, même si elle est née avec ça, mais ça ne veut pas dire que c'est elle qui a envoyé ce démon dans sa vie. Il y a certainement quelqu'un. Vous savez, quand on dit qu'on est né avec des démons, ça dit qu'on peut l'initier depuis le sein maternel. Quelqu'un peut venir te donner la sorcellerie. Pas Dieu qui t'a donné, mais une personne peut te donner la sorcellerie depuis le sein maternel. L'Église doit aider les gens qui veulent condamner. Généralement, quand une personne est sorcière, on en a peur. Même dit bonjour, là, pourtant on a le pouvoir de chasser les démons. C'est ça l'amour en Jésus. C'est ça la différence entre nous et les païens. Les païens, eux, qui règlent, on appelle ça article 11. Quand là-bas de l'autre côté, on est quand le serviteur te coince, tu suis la victime. Nous acceptons les gens et nous les aidons. Ça va? Seulement des esprits. Et ça, c'est beaucoup important en matière de démologie pour la capacité de détecter les esprits. Comment? Allez! À
cela tu vivrais. Nous l'aimons et Satan, tu ne vas pas régner dans ce corps. Nous allons la récupérer. Je mets en garde ces enfants qui sont commencé à la menacer. Ce n'est pas la peine de menacer votre maman. Non, vous devez l'aider, vous aider à l'aider, abandonner peut-être cette mauvaise pratique. C'est vous qui devez nous aider à l'aider. Parce que si elle n'est pas délivrée, ou bien si tu la délivres, qu'elle retourne et que vous la condamnez, ce n'est pas bon. Si vous le suivez, elle peut être à l'aise. J'appelle une personne qui est juste sur cette terre. Non. Qui dans le cœur est blanc? Moi, mais il est chassé d'ici. Quelqu'un qui dit mon cœur est blanc, il te chasse du monter sorcier. Quelqu'un qui est blanc ici. C'est Dieu qui nous fait grâce, c'est tout. C'est tout, hein, c'est Dieu. Ah! Allez! Moi, je l'aime comme ma mère. Et tout ce que je peux faire, c'est de l'aider. Parce qu'il débarrasse. Sors! Vous voyez, les démons sont venus marcher dans cette ville. Vous voyez, les démons. Ça vous explique le ministère des démons. Vous allez demander à Dieu, où est tout chrétien de chercher une bonne note. Allez. Thank you.
Yeah.
esprits, il y a une fontaine et puis il y a un but. C'est les deux esprits là qui sont encore en elle. C'est le petit clavier seulement. Oh,